Bonjour mes petites ballerines, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire à quel point je m'ennuie de vous. J'ai vraiment hâte qu'on puisse se revoir, qu'on puisse se refaire nos grosses caresses avant le début de chaque cours, qu'on danse ensemble, qu'on s'amuse. J'ai hâte de pouvoir vous redire à quel point je suis fière de vous à la fin de chaque cours de danse. Je pense à vous et à votre famille. Je vous aime gros, gros, gros. Gros bisous. Salut, c'est MC et Daf. Allô tout le monde! Alors, on voulait juste prendre quelques instants. Ben moi, je vais prendre quelques minutes pour dire à tout le monde, ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes safe à la maison, que vous restez à la maison. On s'ennuie de vous. Ben, je m'ennuie de vous. Je vais parler particulièrement à mes élèves. J'espère que vous continuez à bouger, que vous continuez à danser, que vous prenez le temps de prendre soin de vous. C'est le temps. On a du temps enfin. On cherche le temps du temps, mais là, on en a. Alors, profitez-en pour être face à vous-même, puis dansez, faites de l'art, amusez-vous, puis passez du temps en famille. Ouais, puis à mes élèves en TAP, fait que la troupe senior, puis mes adultes, essayez de pratiquer. Si vous avez des voisins, ben peut-être les avertir avant. Guess too bad. Sinon, écoutez du jazz, écoutez des films de TAP. C'est le temps de lire sur toute l'histoire du TAP que j'essaie de vous transmettre avec toute mon âme à chaque cours. Fait que c'est ça, lâchez pas. Aujourd'hui il fait beau, profitez des belles journées, puis on se revoit le plus tôt possible. Bye, on vous aime. Ciao. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. C'était juste un petit message pour vous dire que j'ai hâte de vous retrouver, que je m'ennuie beaucoup de vous, que j'espère que tout se passe bien chez vous. Puis même si c'est un moment difficile, où vous vous ennuyez peut-être, vous trouvez ça long, ben profitez de ce moment pour créer, pour faire de l'art. C'est peut-être la meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant. Bonjour les filles, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous adresser quelques mots. En fait, c'est évident, évident que nos rendez-vous du jeudi soir, 7h30 à 9h30-ish, cours qui finit plus, une dernière fois, c'est évident que ça manque, notre regard sur la danse, notre implication corporelle, notre sensibilité d'interprétation me manque. Je veux que vous preniez soin de chacune de vous, prenez le temps de respirer, d'aller à l'intérieur de vous. Ce n'est qu'un rendez-vous. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour la gang. Écoute, moi je m'adresse à toutes mes élèves du ballet 11-15 et ballet 16+, débutants, nos cours du lundi soir. Je suis votre prof de ballet. Je veux juste m'assurer que vous allez bien dans les circonstances. Toute l'équipe du conservatoire, on se parle, on a fait une belle réunion. Vous êtes présents. Et je veux vous dire, continuez d'écouter les consignes et sachez que ne vous oublie pas. Moi, je ne vous oublie pas. Je vous aime. Continuez de danser à la maison. Soyez prudents et surtout, là, mettez de la bonne musique puis dansez partout, s'il vous plaît. On se reparle bientôt. Tout le monde, j'espère que ça va bien malgré les circonstances actuelles. J'espère que vraiment vous profitez de ces moments-là pour passer du temps avec votre famille. Je voulais vous faire ce petit message-là pour vous dire que je m'ennuie de vous, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de nous voir danser, j'ai hâte de recréer avec vous. J'espère que ça va être vraiment, vraiment bientôt. Je vous aime, bye bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances, j'espère aussi que vous profitez du moment pour passer plus de temps en famille. Je voulais simplement vous dire que je m'ennuyais de vous, que j'avais hâte de vous revoir et de recommencer à danser avec vous. Donc, c'est ça. Bisous! Bye! Salut! C'est Evelyne, la prof de piano. Juste pour vous dire, quand c'est temps difficile, je pense à vous. Continuez à vous amuser au piano et ça va bien aller! Alors, allô tout le monde et un petit coucou particulier à mes élèves de claquette adultes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé et en sécurité à la maison. Je prends quelques secondes pour vous dire que je pense beaucoup à vous et que votre énergie me manque énormément. J'aimerais vous partager une petite citation de Martha Graham que j'aime particulièrement. Alors, ça va comme suit. Pensez à la magie de ce pied, relativement tout petit, sur lequel repose tout votre poids. C'est un miracle. Et la danse est une célébration de ce miracle. Alors, profitez de ce moment pour danser
bouger à la maison, que ce soit dans votre salon, en faisant la vaisselle, seul ou avec toute votre famille. Alors, c'est important de garder le moral. On est tous ensemble dans cette aventure. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir très bientôt. Alors, je pense à vous. Puis, on se revoit très bientôt. Bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce long congé pour vous reposer un peu puis pour danser aussi, j'espère. Pour ma part, je m'ennuie beaucoup de vous enseigner. Je m'ennuie du plaisir qu'on avait à danser tous ensemble. Puis j'ai bien hâte de vous retrouver dans la salle de classe. Donc on lâche pas, puis ça va bien aller. Allô tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. De mon côté, pour l'instant, je reste occupée. N'oubliez pas que c'est super important de rester active, de continuer à danser, de pratiquer ses splits, de réviser ses chorégraphies. Hein, tout ça, c'est super important. Sinon, vous manquez énormément et j'ai vraiment hâte de vous revoir. Profitez de la fin de votre congé. Hein? Bye! Bonjour, chers clients, chers élèves. En ces temps difficiles, je vous souhaite de garder dans votre cœur tout l'amour de la danse. J'ai tellement hâte de vous revoir dans mes cours pour qu'on puisse grandir et s'épanouir à travers la danse. À plus tard! Voilà toutes les artistes du conservatoire, j'espère que le temps en quarantaine n'est pas trop long. On pense vraiment, vraiment fort à vous, puis profitez de ce temps de confinement pour vous reprendre en force, pour qu'on se revienne encore plus fort au retour. Bonjour, mon nom est Elder Leila et je voudrais vous partager un petit message d'espoir. On pense tellement souvent à vous, vous n'y croirez même pas à quel point on s'ennuie de vous. Bonjour, mon nom est Elder Rox et je voudrais vous partager toutes nos nouvelles idées. Bonjour, c'est encore Elder Rox. N'oubliez pas d'apprendre votre texte et vos chorégraphies. Bonjour, mon nom est Elder Alex et je voudrais vous dire merci de la part de nous tous. Il faut que vous preniez soin de vous et respectez la quarantaine pour qu'on se revoie bientôt. À plus!